Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end ou pour les vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Alors pour cette nouvelle revue, comme je vous l'ai donc annoncé précédemment, petite revue masque consacrée donc au Boulder Hill. Qu'est-ce que le Boulder Hill Il s'agit tout simplement de du, du QG de masque. Un énorme playset sorti en 1986 et qui se transforme donc en base d'attaque redoutable. Voilà pour les présentations, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses et à la présentation de ce Boulder Hill. Et comme toujours, mini moi et mini moi vous feront quant à eux un petit coucou en fin d'émission, en fin de revue, en fin de vidéo comme vous voulez. Allez à tout à l'heure les petits amis. Ouais, bonne vidéo les mecs. Et puis à tout à l'heure. Eh, hey mais mec, tu peux pas bousser de là? Et je vois que dalle! Oh, bah, ben non, je suis très bien là. Ouais, mais moi, je vois rien! Bon, bah, ben, à tout à l'heure, les mecs! Ouais, à tout à l'heure! Et c'est parti! Ah oh, mais je vois rien! Et voici donc tout de suite un aperçu de ce playset vraiment énorme à l'échelle des véhicules et des figurines. Donc, ça, ça fait plaisir. À savoir que c'était euh, tout simplement le Playset ou l'un des Playsets les plus recherchés à l'époque et aussi l'un des plus chers en termes de prix. Voilà un petit peu. Donc sans surprise, hein, nous retrouvons là, comme vous pouvez le constater, <laughs> une station-service. Voilà tout, 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 toute normale, toute banale. Euh, euh, voilà. Euh, je dirais même tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais qui sous ses airs de station-service est également donc le QG masque. Voilà un petit peu donc pour les présentations. Nous avons, comme vous pouvez le constater juste ici, deux pompes à essence. Une façade avec une porte qui malheureusement ne peut pas s'ouvrir et vous comprendrez pourquoi. Nous avons ici donc le panneau avec l'indication Boulder Hill, gaz, voilà euh, station service Boulder Hill. Ici, juste ici, nous avons donc la porte qui mène à l'atelier et aux réparations. Euh, que dire d'autre Nous avons donc une espèce de montagne puisque la base se situe dans, dans un canyon à l'origine. À, à donc euh, elle est euh, plus ou moins incrustée ou en tout cas elle fait partie du décor donc de ces de ces fameuses euh, de ces fameuses rocheuses ou, euh, ou canyon puisque c'est aussi donc euh, un lieu dans le, le lieu dans lequel se trouve euh, se trouve cette base voilà tout ce qu'il y a de plus anodin. On a quand même quelques petits détails juste ici notamment donc un petit stickers mais je reviendrai dessus juste après donc euh, qui nous informe, qui nous indique, qui nous fait comprendre donc euh, qu'il peut recevoir que c'est une sorte de petite piste d'atterrissage prévue donc pour le véhicule Condor. Voilà pour les présentations de face. Alors je vais au fur et à mesure puisque voilà, c'est un peu trop un peu trop volumineux et lourd pour mon socle donc vous montrer un petit peu la, la base dans tous ses sens. À noter qu'il manque quand même sur ce playset, alors c'est pas grand chose, hein, mais il manque les deux les deux cordons de des pompes à essence. Alors à savoir hein, qu'on peut tout simplement se les faire soi-même avec du fil à Scooby-Doo, c'est pas trop compliqué. Alors vu de droite, bah, nous retrouvons encore donc euh, voilà la petite euh, la petite boutique euh, de la station-service. On aperçoit même ce qui je pense être des fauteuils et une caisse donc euh, voilà pour euh, celles et ceux qui souhaitent faire un arrêt euh, café euh, miam miam sandwich. Nous retrouvons là encore une porte qui une nouvelle fois malheureusement ne s'ouvre pas. On a également un petit extincteur ici représenté. Euh, juste sur le côté quelques petits euh, autocollants ici un autocollant de de, de plaque d'égout voilà un petit peu donc pour le côté avec encore donc cette euh, voilà cette, cette grosse cette grosse roche cette grosse montagne donc pour la vue de droite et nous allons passer à présent donc au niveau de la vue de gauche alors, vue de gauche, une continuité de la boutique. Cette fois-ci, euh, on retrouve plutôt euh, tout ce qui peut être euh, huile ou autre, ou peut-être euh, euh, marchandises euh, ou, euh, ou aliments. En tout cas, une pile de boîtes de, de conserve, une petite pub juste ici euh, pour les pneus. Un peu plus de détails que de l'autre côté. On a une petite échelle qui, qui mène au toit avec juste ici une petite trappe. Et nous reviendrons aussi tout à l'heure dessus. Juste ici, donc, nous avons l'appareil qui sert à mesurer donc, la pression des pneus. Voilà, très très bien détaillé hein, avec le long poteau juste ici. Et puis donc, vu de dos, nous avons les entrailles de la base. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de table, de chaise. On a simplement ici un petit comptoir. Alors il n'y a pas d'autocollant. Je ne sais pas si dans la version d'origine ou à la base, il y avait des petits autocollants avec étagère, présentoir. Voilà, pareil de ce côté-là, on retrouve donc voilà, des petites étagères, quelques petits détails ici donc, qui nous rappellent qu'il s'agit aussi d'une station donc, de, de réparation auto, donc voilà tout ce qu'il faut pour la mécanique, nous avons donc ici la porte d'accès, voilà un petit peu, donc de dos pas grand chose de spécial à dire, hein, puisque le dos sert essentiellement à masquer donc, les, 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 les capacités entre guillemets, entre guillemets euh, de transformation de la base. Et vu de dessus, donc comme je vous le disais, nous avons juste ici voilà, une petite euh, piste d'atterrissage pour euh, hélicoptère, notamment donc conçu et prévue pour Condor. Et ici, une petite trappe, voilà, qui n'est autre qu'un qu piège pour, euh, pour euh, capturer donc, euh, les euh, méchants de chez Venom. Et juste ici, donc, on retrouve encore deux petites plaques. Voilà, juste ici, euh, des goûts, euh, récupérateurs d'eau ou tout ce que vous voulez. Voilà un petit peu donc pour le dessus on passe tout de suite sur le haut voilà pas grand-chose de plus à dire sur ce mode-ci à part que c'est convaincant et que c'est ma foi euh, vraiment très très bien réalisé alors on peut pas dire que c'est fidèle au dessin animé puisque le dessin animé a été fait euh, pour le coup à partir des jouets mais, mais voilà, on retrouve exactement donc la base telle qu'on la voyait dans le dessin animé. Et ça, voilà, euh, pour se projeter, pour jouer avec, à l'époque, c'était réellement un vrai, un véritable plaisir, je suppose, pour ceux qui avaient la chance de l'avoir. Puisque moi, je ne l'ai jamais eu de par euh, sa complexité à trouver et surtout donc le, le, le prix affiché à l'époque, hein, qui était euh, bon, qui, qui, qui voilà, qui était un frein pour les parents euh, qui, comme les miens, donc avaient euh, des budgets vraiment très très modestes. Mais voilà, hein, j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir cette présente, présenter cette base masque, donc qui m'a été confiée puisqu'elle n'est pas mienne, mais qui m'a été confiée donc par mon mécène, ami et sponsor Yanis, que je remercie. Tchou Spoto, si tu regardes la vidéo. En termes d'accessoires, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons tout d'abord, juste ici, une petite prison avec des petits stickers sympas, les petits ordinateurs juste ici. Voilà, des circuits et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal foutu. En plastique, plutôt de, de, de bonne qualité. Et nous avons donc, forcément, euh, la porte de la prison, la grille même, qui peut s'ouvrir et qui se fixe, donc, à l'intérieur, qui se place à l'intérieur, donc, de cette partie-là, juste sous la trappe, comme ça. Donc, quand les méchants de Vellum veulent pénétrer par le 3, hop, une trappe secrète et ils tombent directement dans la petite prison. Toujours au rang des accessoires, qui n'étaient pas, qui, qui, qui pas donc dans, dans ce set qu'a acheté euh, mon ami Yanis, mais que heureusement j'ai quand même de mon côté. Donc nous y retrouvons. Alors, nous y retrouvons juste ici. On commence les présentations. Je vais faire un petit zoom. Un petit. Voilà. Une petite mise au point. Merci, Monsieur Focus. Alors nous retrouvons. Euh, le fameux donc, Alex Sector, notre expert en informatique et télécommunications que vous avez pu voir donc dans la présentation du Rhino, hein, que j'avais rajouté puisqu'il n'était pas conçu, euh, inclus avec le Rhino. Mais donc, pour avoir ce personnage-là, principalement dans cette tenue-là, il vous faudra essentiellement donc, le boule de Voilà pour notre ami donc, Alex Sector. Et nous retrouvons également un personnage que j'aime beaucoup avec Brad Turner, donc euh, Buddy Hawks qui est donc euh, le spécialiste du renseignement et expert en déguisement, c'est pour ça aussi que j'apprécie le personnage, et euh, qui dans le civil n'est autre que le mécanicien officiel euh, du boule de voilà, et qui pilote de temps en temps donc le Firecracker, et qui par la suite dans la seconde série, donc pilotera euh, Wildcat sous le nom de Clutch Hawks. Voilà un petit peu pour ce personnage avec son baladeur et ses écouteurs sur les oreilles. Plutôt fun, la figurine est vraiment sympa, avec sa petite casquette juste ici. Hein. Donc voilà, là encore très fidèle euh, au dessin animé. Voilà donc pour les deux figurines fournies avec. Concernant le masque d'Alex Sector, voilà, identique donc à la revue de Rhino, mis à part quelques petites couleurs qui changent, puisque voilà, j'ai deux variantes de ce, de ce personnage. Donc la variante que je vous avais présentée avec le Rhino et donc la variante officielle, celle que nous voyons, enfin euh, la tenue dans laquelle le, dans nous le voyons tout le temps, donc. Dans la, dans la série animée. Et voici donc notre Buddy Hawks avec son casque. Très très bien réalisé avec pas mal de petits détails. Un casque aussi que je trouve voilà, particulièrement badass. Et là encore, donc j'ai deux variantes de ce personnage. Voici la seconde. Celle-ci avec le casque long. Et celle-ci avec le casque court. Voilà, comme dans le dessin animé. Et là, c'est super cool. Salut mon pote. Tchuss Petite chose que j'ai omis de vous préciser, mais bon, si vous avez vu la revue, enfin, l'introduction de, de, des revues masques, voilà, vous l'aurez de toute façon remarqué, c'est que nous avons donc la porte juste ici d'accès, donc, à l'atelier. Alors, avec mes gros doigts, voilà, je vais y arriver. Voilà, donc nous avons cette porte qui s'ouvre, hein, qui permet donc de pouvoir y placer quasiment tous les véhicules, sauf, euh, enfin, tous les véhicules de la première série, sauf le, Boulder, le, le Rhino, qui est malheureusement un peu trop grand. Mais sinon, pour les autres, ça passe sans problème. Vous voyez, on peut même coulisser la porte à l'intérieur pour la laisser euh, ouverte et laisser donc les véhicules rentrer et sortir à leur guise. Voilà un petit peu pour le petit topo donc, de notre boule de dans son mode station-service simple. Et nous allons pouvoir passer à présent donc. Aux petits gimmicks et à la transformation. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux puisque la plupart des gimmicks se font à l'arrière de la base via quelques manettes. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire déjà donc le panneau à boule de Gaz. Et donc, pour activer la petite fonction, vous avez juste ici une toute petite, toute petite molette bleue. Donc, vous faites tourner. Voilà. Le pied, comme ceci, et nous avons donc l'enseigne, donc, qui se rabat, comme ceci, et qui laisse entrevoir, juste ici, deux canons laser de la mort qui tue. La molette qui se trouve juste ici vous permet d'actionner les pompes à essence. Alors, je vous montre comme ça, mais vous allez voir le résultat. Une fois que je l'aurai remis la base dans le bon sens. Voilà. Donc, on entend bien le bruit. Ça, pas de doute. Et donc, le résultat vu de devant. Alors, je cherche la petite molette. Voilà. Vous faites pivoter dans un sens et dans l'autre. Et vous avez donc les pompes à essence qui se transforment là également en canon. Plus qu'à passer à y placer, par exemple, notre petit Buddy Hawks. Ensuite, vous avez une manette juste ici. Donc, qui permet d'activer la façade avant de la boutique. Alors, on revient une nouvelle fois donc de face. Et donc voilà le résultat lorsque vous actionnez donc le levier supérieur. Voilà, vous faites sortir donc cette partie-là. Voilà, blindée juste ici donc de façon à protéger la partie principale de la base et nous avons également donc le levier du coup qui sert également à actionner voilà ce petit canon laser juste ici. Voilà, juste badass. Vous avez là encore une molette juste ici en gris. Et lorsque vous l'actionnez, on va voir ça tout de suite, donc vous déploie l'autre partie du blindage, donc de la partie d'accès à l'atelier. Et voilà le résultat. Ah, on déploie tout le blindage de la station et là encore c'est juste une méga tuerie et nous retrouvons une dernière molette juste ici donc qui permet d'activer l'ouverture voilà, du haut du rocher et de dévoiler donc un autre système d'attaque. Voilà, je remonte un petit peu la caméra rouge. Voilà, c'est parfait. Et j'active la molette. Voilà, molette donc qui fait à la fois tomber le haut du rocher et qui laisse du coup apparaître notre Alex Sector dans sa tenue de combat. Avec donc là encore un autre laser, un autre canon laser de la mort qui tue. Voilà, sur son petit fauteuil absolument du tonnerre et on revient tout de suite donc sur une vue générale de l'ensemble voilà notre petite station service toute simple toute banale toute vraiment euh, voilà tout ce qu'il y a de plus anodin se transforme là sous vos yeux donc en une énorme en un énorme bunker d'attaque voilà masque prêt à lutter contre Venom euh, à savoir, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série, hein, que je vous conseille vraiment de, de regarder, il y a 2-3 épisodes, donc, dans les, dans, les premiers, dans, les, dans les premiers épisodes, donc, Masque, <coughs> excusez-moi, où l'on voit, donc, Venom prendre euh, d'assaut à plusieurs reprises, donc, cette, euh, cette station-service. Et là, donc, voilà, bah, Venom face à ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus Ma foi, pas grand-chose. Et maintenant, donc, démonstration du piège. Alors, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. On met en place donc la prison, comme ceci. Et au hasard, sans citer de nom, sans penser à personne, n'est-ce pas Cliff Dagger Voici le méchant Cliff Dagger, voilà, qui veut essayer d'attaquer la base de l'intérieur et également voler des choses. Oui, parce que j'ai des projets de modélisation 3D. Et il veut faire plein de nouveaux trucs masques. <laughs> alors, The Monte là. Voilà. Alors, on le laisse ici. On essaye de le stabiliser. On place bien la prison. Et vous avez donc un petit levier juste ici. Voilà. Vous ouvrez le levier. Et normalement, donc le personnage. Alors j'ai du mal positionner la prison. Le personnage est censé tomber. Boum Voilà. En prison. Et capturé. Alors du coup, on va remettre ça, hop, on rebloque, et le voici donc, notre Cliff Dagger, capturé, dans sa prison, et prêt à passer un seul quart d'heure à affronter les interrogatoires de la Team Mask. Oh, c'est pas juste, moi je voulais juste faire de la modélisation 3D et de l'impression, oh, c'est pas gentil Et voilà, pour les présentations de cette petite babase et voilà, comme vous pouvez le constater, donc voilà, pour l'époque, hein, je vous rappelle, il y a 35 ans bientôt, euh, ce jouet était absolument du tonnerre, comme toute la gamme Masque d'ailleurs, une grosse partie. Hein, il n'y a vraiment que les derniers jouets Split Second pour lesquels je suis vraiment moins fan. Mais, mais, mais voilà, quoi, pour l'essentiel de la gamme nous avions des jouets vraiment absolument formidables, très bien étudiés, et comme vous avez vu, on retrouve aussi le concept pour les véhicules, à savoir que, voilà, tous les différents gimmicks et mécanismes s'actionnent par des mécaniques toutes simples, hein, pas d'électricité, pas d'électronique, rien du tout, ce sont juste des petits, voilà, des petits systèmes mécaniques à droite, à gauche, mais qui font leur taf, et qui permettaient aussi de voilà de, de, de jouer, quand on joue avec, de, de, de donner un côté immersif aussi, quand même, euh, plus sympa à cette, à, cette, à cette collection, et puis à savoir aussi que, malgré le fait que nous ayons un, bunk un bunker juste ici. Nous avons tout de même, ah ben voilà, il fallait que ça tombe sur moi. <laughs> voilà les portes donc que l'on peut ouvrir comme ceci et qui permettent du coup de pouvoir stocker un peu plus de véhicules à l'intérieur. Voilà, tout bonnement superbe. Yes. Et petite photo de famille pour conclure de fort belle façon donc auprès de quelques véhicules masques. Euh, donc notre petit Condor qui est toujours là, voilà, et donc les autres de la team hein, prêts à aller euh, combattre les euh, méchants de chez Venom. Yes Voilà les petits amis, que dire de plus Je crois avoir euh, présenté et évoqué donc euh, le nécessaire, l'utile et le principal. Ça ne sert à rien donc de voilà d'aller plus loin dans la revue. Euh, ce playset voilà est quand même excellentissime, magnifique. Alors il n'y a pas beaucoup de gimmicks contrairement au véhicule, mais voilà ça fait ça fait son taf et on avait voilà vraiment quelque chose avec quoi s'amuser euh, voilà vraiment de, 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 de façon spectaculaire pour l'époque. Euh, que dire de plus Bah j'espère tout simplement euh, voilà vous avoir fait découvrir ou redécouvrir pour les autres donc. Ce superbe Playset, juste cultissime dans l'histoire des jouets de notre, enfin, de mon époque et de notre époque. Donc, pour les plus, les plus anciens, euh, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser donc vos suggestions, vos commentaires, vos impressions. Je vais euh, donc restituer puisque je vois euh, ce week-end donc euh, mon ami et sponsor qui vient me faire un petit coucou. Donc, je vais lui rendre donc euh, voilà tout tout ce qu'il m'a prêté pour les revues que vous avez vues dernièrement. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi vraiment de vous le présenter avant euh, ce boule de avant qu'il le récupère. Euh, je vais du coup espacer un petit peu plus les revues masques, là j'avais non pas la pression, mais voilà, je voulais vous présenter un maximum de choses, notamment donc les créations de, de Cliff Dagger, hein, que je remercie encore donc pour sa confiance et pour, euh, pour ce partenariat, je continuerai bien entendu hein, les revues masques, mais un peu plus espacées, voilà, pour ne pas trop non plus vous étouffer toutes les semaines avec du masque et du masque et du masque, mais voilà, si vous avez aimé en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, si vous voulez voir d'autres revues aussi sur les masques, <laughs> bah là encore, n'hésitez pas à m'en faire part que dire de plus à part vous souhaiter un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien, faites surtout bien attention avec à, à vous, et puis et puis voilà quoi, plein de bonnes choses, et toujours donc dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. <laughs> Allez-y les mecs, venez me chercher Je vous attends, moi je suis là, je suis un fou avec ma base, moi <laughs> Ah, et sinon, euh, on peut savoir pourquoi c'est moi qui m'école dans la prison. Hein, c'est pas très cool quand même. Parce que toi, t'es moche et tu pues, alors chute <laughs> Bon, bah j'ai qu'une chose à dire. Chevalier Max Oh merde, j'arrive toujours pas à le dire Ouais, et c'est aussi une raison pour laquelle t'es au <laughs> I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.